Bonjour la Fire Family, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau débriefing sur ma chaîne YouTube. Je suis vraiment content de vous retrouver pour vous partager quelques interventions que j'ai vécues avec les pompiers de Bruxelles. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de deux incendies que j'ai vécus. Un qui est vachement impressionnant avec des bonnes grosses flammes qui sortent par la fenêtre. Et le deuxième incendie que je vais partager avec vous, il s'agit d'un feu dans une arrière remise. On peut appeler ça un débarras. C'était un incendie avec pas mal de difficultés pour accéder au foyer, car il y avait beaucoup de bazar à l'intérieur, beaucoup de brôles. J'étais présent sur les lieux de l'intervention, j'ai filmé les pompiers en action et je suis vraiment content de vous montrer tout ça sur ma chaîne YouTube. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite bien sûr à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer des coulisses des pompiers de Bruxelles. Je suis le vidéaste des pompiers de Bruxelles, je filme toutes les interventions, toutes les grosses interventions, notamment les incendies à leur côté. Je fais les vidéos pour les réseaux sociaux des pompiers de Bruxelles, donc je vous invite également à les suivre. C'est dans la description, il y a Instagram, il y a Facebook, n'hésitez pas à suivre tout ça. Je fais pas mal de stories, je montre beaucoup ce qu'il se passe à la caserne et c'est super de partager tout ça avec vous. Alors l'incendie que je vais partager avec vous, c'est un incendie, comme je vous l'ai dit, de brawl, de bazar. En arrière bâtiment, c'est à l'arrière du bâtiment que ça se passe. L'incendie est difficile d'accès, donc il faut savoir que nous sommes le matin, nous venons de vivre un incendie, un gros incendie, donc du coup avec la compagnie juste avant, c'était avant le changement de garde, en fait il y a eu un gros incendie. Une fois que je suis rentré à la caserne, j'ai juste eu le temps de mettre mes images sur l'ordinateur, que nous sommes partis sur cette intervention. Donc le gros incendie qu'on a vécu juste avant, je vous en parle la semaine prochaine, donc je vous invite bien entendu à vous abonner pour ces raisons-là, pour pouvoir suivre toutes ces interventions à mes côtés. Vous allez voir, c'est un incendie qui est vraiment impressionnant. Donc là, nous sommes sur la route pour aller sur l'incendie. Donc c'est impressionnant parce que par là où on passe, il y a des rues qui sont bloquées par la police, car il y avait certainement une réunion à la Commission européenne, comme ça arrive souvent ici à Bruxelles. Mais la police nous a laissé passer, donc on a pu arriver rapidement sur place, et très vite, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de fumée. Et moi, je sors de la voiture de l'officier pour ne rien louper de l'intervention. Confirmation d'une personne sur le trottoir et dégagement de fumée, au revoir. This is dispatching, c'est bien compris pour les secours d'État sur place. Vous en pour un fossé, feu en arrière bâtiment. On attaque avec du 45 en arrière bâtiment et on dépêche les gens en voiture avec une mitraillette, au revoir. Donc avec une mitraillette, sur la chine aérienne. Voilà, dès qu'on arrive sur place, moi très vite je me dirige à l'arrière, c'est là où il y a le gros dégagement de fumée, c'est là où est une bonne partie de l'incendie. Et les pompiers sont en train de tout faire pour éteindre du coup l'incendie qui se propage dans tout ce bazar, dans tout ce brawl. Comme vous pouvez le voir, il y a de la fumée qui se dégage de partout. Donc au début, moi je ne comprends pas trop ce qu'il brûle exactement. Je m'en rends compte assez rapidement quand j'aperçois les flammes à ce niveau-là. Mais au début, pour moi, c'était pas très clair. Vous voyez, il y a de la fumée aussi qui se dégage sur la façade alpha, sur la façade avant. Il faut savoir que sur cette intervention, il y a une personne qui s'est blessée. Elle a sauté, il me semble, du premier étage. Donc elle a sauté et elle s'est blessée et elle a été transportée à l'hôpital. Dans ce genre de situation, c'est des interventions qui sont assez complexes parce que comme il y a beaucoup de bazar, beaucoup de brôles, bah, il faut sortir les affaires pour pouvoir tout éteindre l'incendie pour pas qu'il se propage. Donc c'est un travail un peu d'orfèvre, c'est un travail assez long et assez éreintant du coup pour les pompiers. Qu'est-ce qu'on a ici? Là pour l'instant, il y a du bordel et ça tourne là, du temps. Il y a tout du bordel. On va falloir qu'on sorte de ça. De toute façon, on va partir. Ouais.
On essaie de retirer les grands plaques. On essaie de faire la plaque ou quoi. Non, j'apprends. Oui, c'est ça. On peut la plaque d'ailleurs. Ah, c'est une autre. Alors, c'est pour la Romeo 51. Voilà, là j'ai un bon visu pour pouvoir filmer les pompiers en action, c'est des belles images. Comme à mon habitude, je me promène sur l'intervention, j'essaie d'avoir un maximum de points de vue. Donc là, j'ai réussi à monter du coup sur cette plateforme qui est au final juste au-dessus de l'incendie. Donc voilà, les pompiers vont casser du coup les skidômes pour pouvoir laisser s'échapper la fumée et bien sûr prendre la température avec la caméra thermique. Voilà pour cet incendie. La deuxième chose que je voulais partager avec vous, c'est ça, c'est l'échelle 64 mètres. Il s'agit d'une toute première ici à Bruxelles. C'est cette échelle qui fait 64 mètres, donc c'est la plus grande échelle d'Europe. 64 mètres, c'est un beau bébé, on l'appelle la bête, c'est marqué ici, The Beast. Et donc voilà, c'est un engin impressionnant. À la Grand Place, donc la plus belle place de Bruxelles, il y a eu la remise de clé officielle des politiques aux pompiers de Bruxelles, au CMU. Moi, j'étais bien sûr là pour faire la vidéo pour les réseaux sociaux des pompiers de Bruxelles. Et donc, je voulais bien sûr partager ce moment avec vous. C'est toujours un moment d'émotion quand on reçoit ce genre de véhicule. C'est historique et je suis vraiment fier de partager ça avec vous. C'est vraiment une première pour Bruxelles d'avoir un auto-échelle avec une échelle qui monte à 64 mètres. Pour nous, pour le gouvernement, c'est très important de continuer à investir dans du matériel toujours plus performant, dans des nouvelles technologies, pour faire en sorte que, bien évidemment, on peut au mieux protéger nos citoyens, mais aussi que nos pompiers peuvent travailler dans les meilleures conditions. Une échelle aérienne, c'est tout d'abord un engin de sauvetage, ce qui permet de faire des sauvetages en façade quand les cages d'escalier sont devenues impraticables et qu'il faut évacuer en triple vitesse les gens de l'immeuble. Alors avec nos échelles, on était limité à une hauteur d'une trentaine de mètres. Avec cet engin, on peut plus que doubler la hauteur des bâtiments ou le nombre d'étages. Ensuite, une échelle, c'est aussi un engin d'extinction. On se développe jusqu'à hauteur ou jusqu'au-dessus de l'incendie et puis avec une lance monitor, on peut donner de l'eau. Ça permettra également de travailler, non pas jusqu'à une hauteur de 64 mètres, mais plus haut, puisque vous avez le développement d'échelle, la portée de la lance, et donc là, on pourra couvrir jusqu'à plus de 20 étages en extinction, en façade. Deuxième incendie que je voulais partager avec vous, il s'agit d'un feu d'appartement à la Ken. Et là, c'était un gros feu d'appartement. Il y a eu beaucoup de fumée et beaucoup de flammes, comme on peut le voir. On arrive directement sur place avec le véhicule. Et là, j'ai ces images-là. Donc c'est très important. C'est au-dessus d'une boucherie. Et là où je suis content sur ce genre de vidéo que je filme du coup pour les pompiers de Bruxelles, c'est que on est au cœur de l'action. Je peux filmer les flammes, les pompiers en train de travailler. Et je fais tout pour ne rien manquer de l'action.
Donc une fois de plus, ça allait très vite. Hein. Les pompiers ont été très rapides, hein, comme souvent sur les incendies. Très professionnels. Ils sont arrivés, ils ont établi une lance pour pouvoir attaquer du coup l'incendie à l'extérieur pour pas qu'il se propage de fenêtre en fenêtre, hein, si vous voulez. Donc on appelle ça une attaque transitoire. Voilà, le temps d'avoir un peu de pression. L'attaque transitoire est faite et ensuite les pompiers vont pouvoir progresser. Donc il s'agit d'un feu dans un appartement, mais il y a la cage d'escalier qui a brûlé également. Donc difficulté de progression pour les sapeurs-pompiers. Et très vite, les pompiers sautent à l'intérieur et attaquent l'incendie. Voilà, moi comme à mon habitude, je vais chercher un point d'accès pour pouvoir avoir un autre point de vue. J'aime bien essayer d'aller voir ce qu'il se passe derrière, parce que forcément s'il y a de la fumée qui sort à ce niveau-là, hein, il y a forcément de la fumée qui sort de l'autre côté, et qui sait, il y a peut-être aussi des flammes qui s'échappent. Donc j'essaie de trouver un moyen d'y aller. Il y a la porte des appartements d'à côté qui sont ouverts, donc je monte les escaliers, j'arrive à me faufiler du coup par une fenêtre et arriver sur cette plateforme, et donc j'accède du coup à l'arrière du bâtiment et je peux avoir ces images. C'est vraiment quelque chose que j'adore faire quand on part sur incendie, c'est de faire le 360 du coup du bâtiment, essayer de trouver des accès pour avoir ces images. Et à chaque fois, je me débrouille plutôt bien. Je suis assez content à chaque fois parce que j'arrive à avoir des bons points de vue. Et du coup, ça rend les images du coup toujours impressionnantes parce qu'on est vraiment au cœur de l'action. Comme vous pouvez le voir ici, hein, l'escalier a bien brûlé. Donc ça a bien clashé, comme ils disent ici, bien brûlé. C'était un gros incendie. Et fort heureusement, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de victimes. Donc là on peut voir l'échelle, en fait je suis passé par cette fenêtre. Donc là c'est les appartements voisins. J'ai pu monter du coup parce que la porte était ouverte. Je suis monté au premier étage il me semble, ou au deuxième. Et la fenêtre était ouverte, j'ai regardé, il y avait cette échelle. Je suis monté sur la fenêtre et je suis descendu du coup sur cette plateforme. Ce qui fait que j'avais un accès à l'arrière de l'incendie. Et quand c'est comme ça, si je le juge nécessaire, je rends compte directement à l'officier pour lui dire qu'il y a aussi un accès à l'arrière, en sachant que là il n'y a pas eu besoin car les pompiers ont vite maîtrisé l'incendie. Voilà la Fire Family pour cet incendie et juste après, mais ça n'arrête pas à Bruxelles, il y a beaucoup d'incendies.
Juste après, il y a eu un feu de cuisine. On n'a pas fait de communication dessus parce que c'était qu'un feu de cuisine et il y avait eu beaucoup d'incendies, notamment ce jour-là, il y a eu celui que je vous ai montré, il y a eu celui d'avant, celui de la veille, enfin voilà, ça n'a pas arrêté. Donc voilà, ça n'arrête pas, les amis. Je continuerai à faire des débriefings sur ma chaîne YouTube. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain débriefing. Abonnez-vous pour ne pas manquer tout ça. Merci en tout cas de votre présence et de votre soutien. C'est toujours un plaisir de partager tout ça avec vous. Rompez, que Sainte-Barbe vous protège, prenez soin de vous, faites attention sur intervention et on se retrouve la semaine prochaine, la Fire Family. Ciao.